Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une petite feuille au crochet comme celle-ci. Si tu es nouveau par ici et que le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à me laisser tes impressions dans les commentaires. On peut aussi l'utiliser comme boucle. Si on place notre attache ici en haut, comme ceci, et on a notre boucle. Ça, c'est un fil de 1,5 mm. Et ceci, c'est avec un fil de 2 à 3 mm. C'est pour ça que la fleur, elle est grande. Et ça, on a fait avec un crochet de 4 mm. C'est pour ça qu'on a différentes dimensions. Elle est un peu plus grande. On aura besoin de fil d'un crochet de 2 mm. On va commencer. On va commencer par faire un nœud comme ceci. Puis on va faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, on va faire une dixième maille en l'air. Et 10. On va faire des mailles serrées tout le long. On va laisser la dernière maille qu'on vient de faire. Et on fait une maille serrée dans la, à partir de la deuxième. Comme ceci. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on a fini. Maintenant, on va faire une maille en l'air et on va tourner le travail comme ceci. On va travailler à partir de notre première maille à l'intérieur comme ceci. On va faire une maille serrée comme ceci. Une autre maille serrée. On travaille toujours de l'intérieur dans chacune de nos mailles. Une autre maille serrée. Et on va faire des mailles serrées tout le long. Et on fait une dernière. Voilà, on a fini. Maintenant, on va ajouter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va laisser notre première maille et on va venir dans la deuxième. On va faire des mailles coulées, des mailles serrées. Comme ceci. Et on va continuer aussi sur la ligne ici, avec des mailles serrées. Et on va s'arrêter à 6.
1, 2, 3, 4, 5. Et on fait 6 mailles serrées. Dès qu'on a fait 6 mailles serrées, on fait une maille en l'air et on tourne le travail comme ceci. On va continuer, on va rentrer. On va faire ça tout le long. Voilà, maintenant qu'on va finir, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On vient dans la deuxième maille. On fait nos mailles serrées, comme ceci. Et on va continuer avec nos mailles serrées. On va faire 6 mailles serrées ici. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a terminé. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Et on tourne notre travail. Et on va continuer de ce côté. Jusqu'à l'autre bout. Voilà, maintenant on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Une autre maille serrée. Et on va continuer avec ici. On va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait une maille en l'air. Et on retourne au travail. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va venir ici. On va faire une maille serrée. Une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et on tourne le travail comme ceci. Dans notre première maille, on fait une maille serrée.
Et à partir d'ici, on va faire 6. Un, deux, trois, quatre, cinq et 6. On fait une maille en l'air et on tourne le travail. On va travailler ici à l'intérieur, toujours à partir de la première maille. Voilà, maintenant on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va venir faire une maille roulée ici. Comme ceci, une maille en l'air et on va tourner le travail. On vient dans notre première maille. Une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. Et à partir d'ici, on va faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. On fait une maille en l'air et on tourne le travail. On va maintenant rentrer. À la dernière étape, on va faire une, deux, trois mailles en l'air. On vient faire une maille coulée, comme ceci. Puis on va faire une, deux, trois et quatre. On va redescendre ici. Et on revient ici. À partir d'ici, on va faire 6. 1. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. 4. 5. Et 6. On fait une maille en l'air et on redescend. On commence toujours par la première maille.
Voilà, et on fait une maille coulée ici. Une autre maille coulée. Une autre maille coulée. Une maille en l'air. Et on a terminé avec notre feuille. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!